أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de rester en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons continuer sans plus tarder. Le lundi, on a commencé le tafsir, le commentaire, l'explication, l'interprétation de Surat Fatiha. Donc on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. La fois passée, à cause du retard, on avait précipité les choses. Donc, on s'est arrêté au verset 3, Malik Yawmiddin. On va reprendre un peu en arrière. La Surat Fatiha, Surat d'ouverture, c'est ce qu'on a dit. Mais on va souligner une chose avant de continuer. Quand on dit Al-Fatihatu en arabe, c'est pas à l'infinitif. Ce n'est pas Al-Fatihou. Al-Fatihou, c'est l'ouverture. Al-Fatiha, c'est celui qui ouvre, ou bien la chose qui ouvre. Al-Fatihatou, quand tu enlèves le ta, il montre que le nom est au féminin, c'est Al-Fatihou. Al-Fatihou, c'est celui qui ouvre. Donc, ce qu'on a dit, la Fatiha, c'est la préface du surat et du Coran. Tout le Coran est résumé dans la Fatiha. La Fatiha va traiter certains points, certains sujets. La louange d'Allah, son remerciement. Et dans la Fatiha, nous allons retrouver certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les 99 noms, on va trouver d'autres dans la Fatiha. La Fatiha va parler de la résurrection et la rétribution. Également, la Fatiha va nous montrer que on doit vouer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est Allah seul qu'il faut adorer. Et c'est auprès d'Allah qu'on doit chercher la guidance. Dans la Fatiha, Allah va nous donner le résumé des histoires passées. Voici les 6 points que la Fatiha traite. Avant de commencer le tafsir, il faut connaître les mérites, la valeur de cette sourate. On va en citer quelques-uns. La Fatiha, c'est la plus grande sourate dans le Coran, puisque c'est la sourate qui résume le Coran. C'est pourquoi c'est la sourate que nous récitons au moins 17 fois par jour, ce n'est pas pour rien. Bukhari nous rapporte dans son livre, il y a le sahabi, le compagnon du prophète Abu Saïd al-Mualla, il dit, je priais avec le prophète Muhammad sallam dans la mosquée, le prophète m'a appelé. Comme j'étais dans la prière, je n'ai pas répondu. Après, quand je suis venu, il dit, mais qu'est-ce qui t'a empêché de me répondre lorsque je t'appelle? Il dit, le prophète, j'étais dans la prière. Mais est-ce que Allah n'a pas dit dans le Coran, « Oh, vous qui avez cru,
Lorsque Allah et son prophète vous appellent, répondez. Le prophète dit, je vais t'enseigner une sourate qui est la plus grande sourate dans le Coran avant qu'on sorte de la mosquée. En sortant de la mosquée, le prophète me dit, sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande sourate du Coran, c'est la sourate Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les 7 versets qui se répètent chaque fois, au moins 17 fois dans la journée chez les musulmans. Le prophète lui-même dit que la Fatiha, c'est une grande sourate. Ça, c'est un. La Fatiha, c'est un remède. C'est un médicament pour le musulman. Quelle est la preuve? On regarde toujours dans le livre de Bukhari, le recueil de Bukhari, rapporté par Abu Saïd al-Khudri, l'histoire des compagnons que le prophète sallam a envoyés. C'est un groupe de compagnons. Le prophète les a envoyés dans une mission. Au retour, ils passaient dans un village. Ils ont demandé à ce qu'on les héberge. Les gens des villages ont réfugié. Ils sont sortis du village, sont allés quelque part. Et il y a quelque chose qui a mordu le roi. On a fait tous les médicaments, ils n'ont pas pu. Quelqu'un a dit, mais les étrangers qui sont passés ici, on les a chassés là. Et si on les demandait, peut-être qu'il peut y avoir des médicaments. Ils sont allés les voir. L'amir, le chef du groupe, dit que oui, lui, il a un médicament pour ça. Quand il est venu, il a récité la Fatiha sur la morphine et le roi est guéri. Les compagnons, même, ils étaient étonnés. Et l'amir a mis sa condition avant de guérir le roi, c'est qu'il donne une récompense. Il a pris la récompense. Il y avait deux problèmes. Les savants n'avaient pas compris. Qu'est-ce que tu as fait pour guérir le roi? Deuxièmement, pourquoi tu as pris la récompense? Quand ils sont retournés chez le prophète Mohammed, ils ont raconté l'histoire. Le prophète dit, la meilleure des choses que vous recevez de la récompense pour ça, c'est le Coran. Ça, c'est un. Deuxièmement, le prophète dit à cet amir-là, mais qui t'a dit que la Fatiha a guéri? Écoutez très bien ce qu'il va dire. Il dit, « Ulqiya fi raw'in. » Ça m'a été inspiré comme ça. Le musulman, le croyant, a dit, c'est pourquoi le prophète dit dans un hadith, « Ittaqu firasat al-mu'min. » Faites attention à la remarque, à l'inspiration du croyant, car il regarde avec la lumière d'Allah. Quand souvent tu es dans un problème comme ça, et puis ça te vient dans la tête, un verset te tape dans la tête, tu le répètes dans ta tête beaucoup de fois, c'est que c'est une porte de sortie Allah t'a donnée. C'est tiré du Bukhari. La Fatiha pour guérir le roi, ce n'est pas le prophète qui l'a dit. Le prophète même le demande, qui t'a dit ça? Ça m'est venu à l'esprit comme ça. Donc cette sourate-là, c'est une grande sourate. On va s'arrêter à ces deux hadiths-là et on va continuer. Donc on a dit ici que les sujets traités par la sourate Fatiha, il y a la louange d'Allah, le remerciement qu'on a commencé la fois dernière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes. Qu'est-ce que veut dire Al-Alamin? On a dit que c'est le pluriel des Alam. Al-Alam veut dire le monde. Pour comprendre, il faut aller dans la sourate les poètes. Sourate 26, verset 16. Moussa et son frère Haroun disent que فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Allah dit à Moussa et son frère, dites à Pharaon, nous sommes les envoyés du Seigneur de l'univers, du Seigneur des mondes. Dans le verset 23, Pharaon va demander, وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ. Mais qui est ce Seigneur des mondes-là? Qu'est-ce que Moussa va dire pour répondre? رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Le Seigneur des cieux et de la terre. Wama beina huma. Et ce qu'il y a entre ces cieux et la terre. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
il mérite réellement la louange, il mérite réellement le remerciement. Allah revient Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On a déjà expliqué dans la basmala, Maliki Yawmiddin. Maliki, le roi. Quand tu dis Maliki, tu ne dis pas Maliki. Maliki Yawmi Ad-Din. Ad-Din, la rétribution. Yawmi, le jour. Maliki, le roi. Le roi du jour de la rétribution. Si vous lisez avec la version Maliki Yawmiddin, Maliki, le maître. Maliki, le détenteur, le propriétaire. Yawmiddin, du jour de la rétribution. Ad-Din, on entend beaucoup, Ad-Din, c'est la religion. Mais Ad-Din veut dire aussi la rétribution. Dans Din, il y a Daim, la dette, le crédit. C'est comme quand tu fais quelque chose, tu as prêté à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah dit, « Man zalladhi yukridullaha qardan hasana ?» Qui va prêter à Allah? Et Allah va rembourser à la meilleure façon. C'est pourquoi Yawmu Din, c'est Yawmu Dain. Le jour où Allah va rembourser les dettes. Ton sommeil que tu as volé la nuit là, pour donner à Allah, tu as prêté ton sommeil à Allah. Allah dit, ce jour-là, je vais te rembourser. Donc, il y a les deux versions de lecture. Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Maliki, c'est le roi. Malik, c'est le propriétaire, le possédeur, celui qui possède. Rab et puis Malik, souvent, ça a le même sens. Rabul Bayt, le propriétaire de la maison. Malikul Bayt, le propriétaire de la maison. Allah dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange à Allah, le propriétaire des univers, des mondes. Comme nous sommes dans un monde présent, il y a un monde futur. Les savants sont divisés. D'autres disent que le paradis et l'enfer sont déjà créés. La majeure partie des savants, d'autres disent que ce n'est pas encore créé. Mais nous, on ne voit pas. Et c'est dans un monde futur. Allah dit, le monde présent là, ou bien le monde présent, il est le propriétaire, même le monde futur. C'est pourquoi il a dit Rab, il a dit Malik, qui ont le même sens, mais qui veut dire, si tu ne comprends pas, si toi tu es dans le présent, tu sais, tu crois qu'il y a un monde futur, il faut savoir que c'est lui qui sera aussi le maître là-bas. Donc, il faut faire tes actions ici, à cause de lui, c'est lui qui va te récompenser là-bas aussi. Allah nous donne la compréhension. C'est là-bas on s'était arrêté et nous allons continuer. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka, c'est toi seul. Na'budu, que nous adorons. Wa iyaka, c'est toi seul. Nasta'in, que nous implorons le secours. Il faut apprendre souvent l'arabe, c'est très important. Alhamdulillah, l'islam n'est pas une religion. On peut se baser sur les traditions pour comprendre seulement. Non. Chacun a sa limite. Chacun fait les choses à la mesure de sa possibilité. Moi, je n'ai pas trop de temps. Voilà le titre que je fais. Je peux lire les traditions, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais avoir un certain niveau dans la connaissance, il faut apprendre l'islam dans sa langue, la source, la base, qui est l'arabe. Chaque langue a une spécificité qu'on ne peut pas trouver dans l'autre. Une langue, c'est une culture. Il faut vivre cette culture-là pour comprendre certains secrets de la langue. Vous ne voyez pas lorsqu'on fait les traditions mot par mot. Ça sonne comment? Ça ne sonne pas bien. Il faut étudier la langue pour pouvoir bien comprendre les expressions, les mots. Dans « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », quelqu'un te comprend, il y a Kanaboudou, nous t'adorons. Non, si c'était ça, il a dit Naabouduka. Mais il dit il y a Kanaboudou. Pour pouvoir comprendre, il y a une autre manière de formuler cette phrase-là dans la langue arabe. Il faut dire La Naabouduka, il y a Kanaboudou.
nous n'adorons pas que toi seul. On appelle ça en arabe al-qasr. C'est-à-dire que nous n'adorons pas autre chose. C'est seulement toi que nous adorons. Donc, qui est digne d'être adoré? Allah. C'est pourquoi on a dit les sujets que traite la sourate Fatiha, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui est digne d'être adoré. Voici la partie qui dit ça. Iyaka, c'est toi seul. Na'boudou. Il pouvait dire Na'boudou quand. Mais quand il dit Na'boudou quand, ça veut dire nous t'adorons. Et qu'est-ce qu'on va comprendre? Et autre chose. Ou bien, et peut-être autre chose. Mais il dit non. Iyaka, c'est toi seul. Ce pronom sujet-là a dévancé le verbe. Vous dites Iyaka, c'est toi seul. Na'boudou que nous adorons. Wa iyaka nasta'in. Et c'est toi seul que nous implorons le secours. C'est toi seul qui peux nous aider. On va s'arrêter un peu. Est-ce que c'est Allah seul qui aide? Ou bien entre nous, on peut s'aider? On peut s'aider? C'est Allah seul qui aide dans la mesure de la divinité. Quand moi j'ai besoin d'un stylo, quand je te demande là, tu me donnes, tu m'as aidé ou tu m'as pas aidé? Tu m'as aidé. Mais est-ce que ça te rend une divinité? Non. Parce que tu ne fais pas ça indépendamment de toi. Tu dépends de qui? Allah. C'est pourquoi dans le tafsir, le commentaire de Alhamdulillah, nous avons cité ça. Les quatre manières de louer Allah. Quand toi tu me rends un service, c'est Allah qui a fait. Allah fait dépendamment de lui. Toi tu fais indépendamment. Pas, tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends d'Allah. Allah est indépendant. Toi tu dépends d'Allah. Donc, il y a Kana Aboudou. C'est toi celui que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, la demande d'aide qui signifie l'adoration, c'est à toi seulement que nous faisons. Mais en dehors de ça, entre nous, on peut faire. Quand on donne la compréhension, il faut souvent comprendre les choses et détailler. Ça va faire la différence entre les choses. Après, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi celui que nous adorons. C'est toi celui que nous implorons le secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina, guide-nous as-sirata. On peut dire encore en arabe, il as-sirati. Vers le chemin al-mustaqim qui est droit. Nous demandons la guidance auprès d'Allah. Il y a une question qui doit être posée ici. Pourquoi 17 fois par jour, nous, on demande la guidance auprès d'Allah? Est-ce que nous ne sommes pas guidés? L'islam n'est pas une religion de vrai, c'est pas vrai? Pourquoi nous on demande 17 fois? Pour comprendre, il faut aller dans un autre verset. Allah dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, aminu, croyez. On demande à un croyant, il faut croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous qui avez cru, restez stable, demeurez dans la foi. N'est-ce pas? Donc, ihdina as-sirata al-mustaqim, Allah, guide-nous dans le droit chemin, fasse qu'on soit assidu, toujours sur le droit chemin. C'est ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un. Deuxièmement, la bonne fin. Il faut demander la bonne fin à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous demandons la guidance auprès d'Allah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Quel est ce droit chemin-là? Quels sont ceux qui sont sur le droit chemin? La réponse est dans la Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah guide-nous sur le droit chemin. Quel chemin? Sirata al-ladhina. Le chemin de ceux qui an'amta alayhim, tu as comblé de faveur. Quels sont ceux-là que Allah les a comblés? Sa faveur. Il faut prendre la sourate An-Nisa, les femmes, sourate 4, verset 66 à 69. Allah dit: Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi.
وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. Nous avons dit, Allah guide-nous sur le droit chemin. Quel est le droit chemin? C'est le chemin de ce que tu as comblé de faveur. Dans Surat An-Nisa, Allah dit, s'ils avaient fait ce qu'on les a demandé, cela sera un bien pour eux. Cela sera une stabilité pour eux. En ce moment-là, j'allais leur donner une très grande récompense. Et je vais les guider sur le droit chemin. Tout celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, ce sont ceux que Allah les a comblés sa faveur parmi les prophètes, les sidikines, les véridiques, les shuhada, les martyrs, les solihines, les pieux. Pour résumer le verset, il faut obéir à Allah et à son prophète. C'est tout. Voici la guidance. Et c'est l'adoration d'Allah, les ordres d'Allah et ses interdits. C'est le Coran. C'est comme si Allah avait résumé tout le Coran pour dire qu'il faut obéir à Allah et à son prophète, c'est fini, qui est dans la Fatiha. Celui qui obéit à Allah à son prophète, c'est celui-là qui est guidé sur le droit chemin. Et c'est celui-là aussi que Allah va lui donner sa faveur, sa grâce. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Guide-nous sur le droit chemin. Surat al-Ladina an'amta alayhim. Le sommet de ce que tu as comblé de faveur. C'est qui? Ce sont les prophètes. Les prophètes ont obéi aux ordres d'Allah. Regardez un peu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'Allah lui dit dans Surat la Vache, Surat 2? L'avant-dernier verset. Aman al-Rasulu bima unzila ilayhi. Le prophète a cru en ce qui lui a été révélé. C'est lui la première personne. Regardez sa manière de prier. Est-ce que nous on peut faire la même chose? Regardez comment il jeûnait. Donc les prophètes ont cru en Allah. Et les prophètes ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici pourquoi ils sont les bien guidés. Voici pourquoi Allah les a fait sa faveur. Si nous faisons la même chose, alhamdoulilah, nous sommes sur la guidance. Sur le droit chemin. Et quand nous demandons 17 fois par jour, il dit Nasrat al-Mustaqim, Allah, parce qu'on met sur ce chemin-là. Surat al-Ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdalim. Ce que tu as comblé de faveur, on a dit les prophètes et autres. Il y en a parmi les humains qui n'ont pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez très bien. Il dit non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Il y a des mufassiroun, des commentateurs du Coran qui disent que Al-Maghdoubou alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Abdoloun, les égarés, ce sont les chrétiens. Est-ce que le judaïsme, ce n'est pas une religion révélée par Allah? Certes. C'est une religion qui a été révélée par Allah. Le christianisme, également. Mais pourquoi ils sont égarés et ils ont encouru la colère d'Allah? Ils ont désobéi même aux livres qui leur ont été révélés. Quelque part pour nous dire que vous les musulmans aussi, vous faites la même chose. Vous laissez le Coran, vous laissez la parole, la sunna du prophète sallam, vous serez même chose comme les juifs et les chrétiens. C'est pourquoi il y a une parole des savants qui dit que Al-Ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. C'est-à-dire, quand Allah dit quelque chose, ou bien le prophète dit quelque chose, on ne commande pas, on n'explique pas selon la seule cause pour laquelle la parole a été révélée. Mais on généralise le sens. Si il y a les savants des tafsirs qui disent que Al-Maghdoub alayhim, ce sont les juifs. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs. C'est des actes qu'ils ont commis.
Ces actes-là, c'est quoi? C'est la désobéissance d'Allah. Parmi la désobéissance que les Juifs ont fait, ils ont mal interprété le livre d'Allah. Ils ont rendu licite ce que Allah a interdit. Ils ont interdit ce que Allah a rendu licite. Donc les musulmans, faites attention. Depuis la Fatiha, depuis la préface du Coran, faites attention. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Al-Maghdoubu alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ce sont les Juifs. Quand tu prends l'autre verset, Allah les a interdits de faire des choses. Ils ont fait telles que de pêcher les samedi. Ils ont refusé. Regardez l'histoire des Juifs avec le prophète Moussa. Ils étaient tellement durs avec lui, tellement durs avec Allah. Finalement, ils ont encouru la colère d'Allah. Abdouloun, les chrétiens, c'est la même chose. Ils ont laissé le livre d'Allah, qui est l'évangile. Ils l'ont falsifié. Même la partie qui n'a pas été falsifiée, ils ont mal interprété. Nous, alhamdoullah, notre Coran, Allah dit, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est moi, Allah, qui a fait descendre le rappel qui est le Coran. Et c'est moi, Allah, je me porte garant de protéger ce livre-là. L'écriture va rester intacte, mais l'interprétation. Faisons attention. Qu'Allah nous guide. Donc voici un peu le sens de la Fatiha. Après avoir traduit, expliqué un peu la Fatiha, il y a des règles qu'il faut tirer. Il y a des jugements, les ahkams qu'il faut tirer de la Fatiha. La première des choses, c'est A'ouz billahi minash shaitanir rajim, qu'on récite au début quand on veut lire le Coran. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, ça ne fait pas partie de la Fatiha. Ce n'est même pas un verset coranique. Mais il y a un verset qui parle de la ta'awuz, on l'appelle en arabe ta'awuz. Fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection auprès d'Allah contre Satan, le lapidé. Mais comme on doit dire, quelle est la formule? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est cette formule-là qui n'est pas dans le Coran. Mais son sens est dans le Coran. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais selon la sunna du prophète, et selon même le verset, avant de lire le Coran, il faut demander la protection auprès d'Allah contre Satan. C'est pourquoi c'est un mustahab, c'est une sunna du prophète. Deuxièmement, on vient sur la basmala. Quand on dit la basmala, on veut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. La formule Bismillahir Rahmanir Rahim. Avant-hier, le lundi, on a dit que les savants sont divergés concernant la basmala. Est-ce que ça fait partie de la Fatiha ou pas? Les savants sont unanimes. Et il y a une sourate, les fourmis, il y a un verset dedans. Ce verset, ça fait partie du Coran et c'est un verset qui parle de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innahu min Suleyman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette lettre vient du Suleyman, du roi Salomon. Et cette lettre est commencée par le nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce verset-là, ça fait partie du Coran. À l'unanimité des savants. Mais, à part ça, la basmala avant la fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant la fatiha, les savants sont divisés. D'autres disent que ça fait partie de la fatiha, d'autres disent que ça ne fait pas partie de la fatiha. Hein? Donc, les savants sont divisés jusqu'à 19 idées. Mais nous allons prendre 4 seulement. La première parole, la première position des savants qui disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie du Coran. Ça ne fait pas partie de la Fatiha, ça ne fait pas partie du Coran, c'est-à-dire les débuts des sourates, à part le verset des sourates Nam, les fourmis. Même il y a certains Corans, comme on a dit autrefois, vous allez trouver quand on écrit Bismillah, on n'écrit pas un.
On laisse, on va. Alhamdulillah, Rablami, ça fait un. Donc, dans le Coran des Médinois, les gens de Basra, en Irak et Cham, on va souligner une petite chose. Il y a des manières de lire le Coran, des versions de lecture du Coran. Par exemple, la plupart des Corans que nous avons, c'est la version Hafs. Il y a Wash, il y a Qaloun, il y a Ibn Kassir. Le musulman doit savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que souvent, nous disons aux chrétiens que vous dites l'évangile selon Jean, selon Matthieu, n'est-ce pas? Que ce n'est pas la parole de Jésus, mais c'est la parole d'un tel qui rapporte de Jésus. Et chez nous, il y a Riwayat Hafs. Si un non-musulman avait lu le Coran et te pose la question, pourquoi il y a le Coran selon Hafs, Coran selon Wash, qu'est-ce que tu vas répondre? Faites prêt. N'est-ce pas? Bien. Donc, c'est juste la version de lecture. La manière de lire. À part ça, il n'y a même pas une seule lettre qui est ajoutée, ni diminuée. Les paroles sont les mêmes. Et encore, quand on regarde la Bible, on va rentrer un peu dans le domaine de la Bible, vous allez voir qu'il y a des contradictions entre ces versions-là. N'est-ce pas? Il y a des contradictions parlant de la naissance du prophète Jésus, alayhi salam, et autre chose encore. Mais dans le Coran, ce n'est pas le cas. La Fatiha, c'est la même Fatiha dans toutes les versions. Mais pourquoi ces manières de lire? En arabe, la langue arabe a plusieurs dialectes. C'est un Coran qui est universel, c'est un livre universel. C'est venu pour tous les Arabes, pour tout le monde entier. Les Arabes, dans leur langue, il y a beaucoup de dialectes. Allah a révélé le Coran selon ces dialectes-là. Vous allez trouver à la Mecque, il y a un mot et il prononce d'une manière, mais quand tu vois quelque part à Yémen, c'est pas comme ça. Allah a tenu compte de tous ces dialectes pour révéler le Coran. Le sens reste le même sens, mais la manière de lecture, ça change. Quand on donne la compréhension. Donc, faites des recherches, ayez des connaissances bien posé avant que les questions vous viennent et vous allez être mélangé. Ça donne la compréhension. Bien. Donc, la deuxième parole dit que la basmala, bismillah rahman rahim, ça fait partie de la fatia. Dites-moi l'heure à laquelle on va s'arrêter pour prendre les questions. Très bien. Donc, que ça fait partie de la fatia seulement. La basmala fait partie de la fatia seulement, mais les autres sourates, non. Cette parole est rapportée de Saïd Ibn Jubair, qui est un des grands tabi'in, et les fuqaha, les théologiens de la Mecque et de Koufa. La troisième position dit que la basmala, c'est un verset de certains surat, à part surat Tawba, Al-Bara'a. Et la quatrième position dit que la basmala, c'est un verset qui dépend de lui-même. Le verset ne fait pas partie de la Fatiha ni de autre sourate. C'est un verset qu'Allah a révélé pour mettre la différence entre les sourates. Qu'Allah nous donne la compréhension. Maintenant, on vient à la récitation de la basmala dans la prière. Lorsque je prie Allahu Akbar, est-ce que je dois commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ou bien directement Alhamdulillah Rabbil Alamin? S'il y a une divergence concernant la basmala, si elle fait partie de la fatiha ou pas, forcément la divergence va rentrer dans les écoles théologiques musulmanes. Donc c'est pourquoi certains savants, quand ils commencent la prière comme sur le malikite, il faut commencer directement après Allahu Akbar, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malgré il y a un hadith qui montre que le prophète sallam lisait la basmala. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres hadiths aussi qui montrent que le prophète sallam ne lisait pas la basmala. Il ne faut pas parler de la contradiction. Que les hadiths se contredisent. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le Coran, les hadiths,
il y a beaucoup de manières de comprendre. Et cette divergence, c'est une miséricorde pour nous. Quand tu prends telle école, tu n'as pas de problème. L'autre école, tu n'as pas de problème. Donc, faisons attention. Ne disons pas que telle personne n'a pas lu la basmala au début de la fatia, donc ça, rien n'est pas valide. Non. Si Allah lui-même a voulu que les musulmans se divergent, à savoir si la basmala fait partie de la fatia ou pas, ce qui veut dire que c'est une force Allah a donnée. Il faut prendre cette faveur-là. Il ne faut pas condamner les gens. Allah même n'a pas condamné. Pourquoi les autres versets, il n'y a pas eu de divergence à part la basmala? C'est que l'éducation qu'Allah a donnée aux musulmans. Acceptons ce cadeau-là. Donc les savants sont divergés. Est-ce qu'on doit lire la fatia ou pas? Ceux qui récitent la fatia aussi, il y a deux écoles. D'autres disent qu'il faut lire la basmala en bas voix, d'autres disent qu'en haute voix. Quand tu commences, Allahu Akbar, avant de commencer, Alhamdulillah, Rabbi Alamin, jusqu'à la fin. Après cela, il y a cette règle aussi, ce hukm, cette mas'ala, le fait de dire Amin après la récitation de la Fatiha. Amin ne fait pas partie de la Fatiha, ça ne fait pas partie du Coran. Qu'est-ce que Amin veut dire? Ça veut dire, oh Allah, accepte. Quand est-ce que le musulman doit dire, oh Allah, accepte? Lorsqu'on fait doua, ce qui veut dire que la Fatiha, c'est une très grande doua. Quand on finit de réciter la Fatiha, on doit dire Amin. Allahumma stajib, oh Allah, accepte. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam dit, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dit Amin. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui que son Amin va coïncider au Amin des anges, Allah va lui pardonner tous ses péchés. Amen. Allah Akbar. Donc quand l'imam dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, tout le monde doit dire Amin. Oh Allah accepte. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant la sourate Fatiha. S'il y a le temps, on va aller avec sourate Nas. Comme on a. D'accord. Et dans la sourate Nas, c'est la 114e sourate. La dernière sourate. Mais les frères ont demandé qu'on commence le tafsir par Surat Nas. Surat les hommes. Chapitre les hommes. Nous avons jugé bon de commencer par la Fatiha. Quand nous récitons la Fatiha chaque jour, c'est bien de connaître son sens et quelques explications sur la Fatiha. Pourquoi beaucoup de musulmans commencent à réciter le Coran par Surat Nas? Parce que les versets sont moins. Et c'est facile à apprendre par rapport à la deuxième surat, Surat Baqara, Surat Lavage. C'est très long, c'est pas facile. Donc, et le musulman, au moins un musulman doit connaître la fatia ajoutée à Kulaz Brabinas ou Kulaz Brabipalap. Avec ça, on peut prier. On peut même diriger une prière avec, ajouter à la connaissance de la prière. Donc, Surat Nas, Surat les hommes. C'est la 114e surat, c'est-à-dire chapitre, mais dans la révélation, c'est la 21e surat qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comprenons une chose ici, il y a l'ordre des révélations et il y a l'ordre selon le Coran, c'est-à-dire l'écriture, les livres du Coran. Qui a dit aux compagnons de mettre la Fatiha, la première sourate, malgré elle est la cinquième à être révélée? C'est le prophète lui-même. Tawqifiyun, ça vient du prophète, c'est pas les sahaba qui ont jugé bon. Est-ce qu'il n'est pas bien qu'on mette la sourate Fatiha au début? Non. C'est le prophète lui-même qui a dit. C'est pourquoi une sourate pouvait être révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a des versets qui manquent. Après des sourates, quand le verset sera révélé au prophète, le prophète dit, tel verset est dans telle sourate après tel verset. La sourate Nas, Sourate les hommes, a été révélé au prophète après Sourate Al-Falaq. C'est les deux sourates qui vont ensemble. C'est pourquoi on les appelle Al-Mu'awwizataini. Al-Mu'awwizatani. Les deux sourates protectrices. Qui protègent. C'est une sourate mécoise.
Autrefois, on a dit qu'on allait choisir quelle idée dans la définition des Mécoises? Tu peux me rappeler? Non? Avant l'immigration du prophète Mohammed sallam. Très bien, barakallahu fik. Mais ce n'est pas la seule idée sur la définition. Vous allez trouver d'autres vont dire que c'est ce qui a été révélé au prophète à la Mecque. C'est une idée, on ne va pas dire que ce n'est pas une bonne idée. On a dit qu'on va choisir l'idée qui dit que c'est une sourate qui a été révélée au prophète avant son immigration. Donc c'est une sourate mécoise. D'autres vont dire que c'est une sourate médinoise. Ceux qui disent que c'est une sourate mécoise, c'est à cause des sourates Al-Falaq. Parce qu'il y a une unanimité pour dire que la sourate Falaq a été révélée au prophète à la Mecque. C'est les deux sourates qui vont ensemble. Donc on appelle la sourate An-Nas, les hommes, sourate Al-Mu'awizatan. Les deux sourates protectrices. Il y a six versets dans cette sourate. 20 mots en arabe et 80 lettres. Donc, celui qui lit Sourate An-Nas, il y a combien de mérites? Allah lui donne combien de mérites? 800. 800. Au moins. Merci, imam. Au moins. Parce qu'Allah dit, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah multiplie celui qui veut. Selon ta foi, selon ta pureté, selon ta sincérité. Cette sourate, Al-Mu'awizatan, la sourate Falaq, sourate Nas, sourate Ikhlas, c'est les trois sourates qui vont ensemble et en arabe on les appelle Al-Qalaqil, les sourates de Kulkul. Les trois sourates de Kulkul. D'autres vont dire encore Al-Qalaqil, les sourates de Kulkul sont quatre. Kul Ya Ayyuhal Kafirun, et puis Kul Huwa Allah, les deux, Kul Bravi Falaq, Bravi Nas. On ne va pas compter Kul Uriya dedans. Non, il n'y a pas Kul Uriya dedans. Quand tu attends dans les livres Al-Qalaqil, soit c'est les quatre, chez certains, chez d'autres, c'est les trois. Dans Surat Al-Ikhlas, Allah a parlé de sa divinité, son unicité. Après, le prophète qui a prôné cette unicité-là, on ne va pas le laisser. Parce qu'il est venu trouver, il y avait beaucoup de dieux chez les Arabes. Quand lui va prôner cette divinité que Allah il est un, ah, il va rencontrer des difficultés. C'est comme ça, tout celui qui ordonne au bien, tu vas rencontrer des difficultés. Donc Allah dit que lorsque la difficulté va venir, demande la protection auprès d'Allah. Dans Sourate Falak, demande la protection d'Allah dans Sourate Nas. Cette sourate a beaucoup de valeurs, beaucoup de bénéfices. D'abord, c'est une sourate, comme selon le nom, sourate de protection. Le prophète dit, lorsque le musulman veut aller au lit, qu'il met les deux mains ensemble. Qu'il lise la sourate Al-Ikhlas, Kul Wallah, sourate Al-Falaq, Kul Wallah, sourate Nas. Il se frotte avec. C'est lui qui fait ça. Allah va le protéger durant toute la nuit. Et aussi, il y a les hadiths qui montrent qu'on doit réciter ces sourates-là après les prières. Après les cinq prières quotidiennes, lorsque tu récites ces sourates-là, elles sont des protectrices pour toi. Donc après cela, on va aller rapidement avec l'explication. Allah dit, Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul, dit. C'est un verbe conjugué à l'impératif. C'est un ordre. Donné à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On donne l'ordre au prophète dans le Coran. Est-ce que le livre là, ça vient de lui? Non. C'est pourquoi on dit que quelqu'un, je ne veux pas dire son nom, un nom puissant dans ce monde-là, avait dit qu'on supprime les coul-coul du Coran. Que ça a été révélé au prophète. On disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, coul-coul, mais il n'est plus de ce monde. Lui dit qu'on a supprimé les coul-coul. Mais c'est les coul dans le Coran sont des preuves pour dire que le Coran ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, comment lui-même va se ordonner? Coul, Mohammed. Non. Donc c'est très important.
Qul, dis, a'udhu, je demande la protection du Rabbi. On a dit Rabbi dans Al-Fatiha. Rabbi veut dire quoi? Non, je veux Rabbi seulement. Alhamdulillah, Rabbi, Qul a'udhu bi Rabbi. Le propriétaire, le Seigneur. Donc, Qul dit, a'udhu, je demande la protection bi Rabbi Nas, auprès du Seigneur des hommes. On a l'air? Oui. Donc, l'heure est arrivée. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Prochainement, nous allons continuer. On va prendre les questions. Il n'est pas encore? Il n'est pas encore 30? Oui, mais les questions. Les questions sur le tafsir et les questions aussi, peut-être autres questions concernant le ramadan et autres, Inch'Allah. Si on a la réponse, on va donner ou bien prochainement. Il y a vu le frère premièrement, non? Par exemple, bon, moi, je voulais savoir si la Bible a été révélée par Allah.